sais pas. Parce que je la connais pas et du coup je ne sais pas d'où elle vient. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Lost Ark. Incroyable me direz-vous, et si vous voyez cette vidéo, je tiens à vous annoncer que bientôt, il y aura une semaine dédiée à Lost Ark. Oui, enfin dédiée. En gros le soir, les programmes, les rendez-vous des créneaux du live du soir, ce sera du Lost Ark. Toute cette semaine-là, ça s'en vient bientôt. Mais voilà, je voulais profiter de cette VOD pour l'annoncer pour ceux qui seraient sur YouTube et qui suivent pas les annonces que je fais plus ou moins en live. Pourquoi ? Parce que bah vous m'avez piqué au vif en me disant que j'étais un petit peu lente et qu'à cette vitesse, je verrai le tiers 2 en 2056. Et donc, je veux vous montrer que si, si, c'est possible de slow runner en rushant. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on est toujours au level 460. On prend notre temps. On est au Wendell. Dans le dernier épisode, on a retrouvé la trace de Gardion. J'arrive toujours pas à savoir si cet homme est bon ou pas. Ou s'il était vraiment... voilà, s'il a cru les mots et s'est laissé influencer par Belshrazade. Je sais pas si je prononce bien son blaze. À elle non plus, cette démon qui est donc la némésis d'Azera. Je commence à me mélanger avec tous les noms des persos, donc j'espère que ça ira. Et là, du coup, on s'apprêtait à faire un donjon, n'est-ce pas, Goomba Terror? Qui est déjà là. Elle est sur Paris, non? Vu qu'elle fait les live karaoké avec Ultia. Ah bah oui, bah... Je crois que c'est ça, alors. Brelshaza, Azena. J'y étais pas du tout. J'ai mal à mon lore. Ouais, mais attends, c'est des persos qui viennent de rentrer dans ma vie. Laisse-moi le temps de... J'ai mal à mon lore, dit le mec qui lit pas les quêtes. Non mais allô. Protéger l'arche de Belshraza. Voilà, je suis prête. Vas-y, je te suis. Bah. Ah voilà, très bien. C'était parce que c'était toi le chef. Je lis pas les quêtes, mais je sais prononcer, mais moi aussi, mais c'est comme les prénoms, j'ai du mal à retenir du premier coup, je suis un peu un poisson rouge de ce côté-là, vous savez. Il faut que ce soit des récurrences dans ma vie pour que je retienne bien les pseudos des gens et les prénoms des gens et les noms des personnes. Ouh, non mais attendez... C'est bon en tout cas ici, hein. C'est à vendre. Je cherche un manoir justement, ça tombe bien, ça répond un peu à mes exigences. Ah. Je sais plus parler. Mes exigences. Ok, bah suis-moi Goom, je te vais visiter, c'est chez moi de toute manière. Donc t'as enlevé tes chaussures avant d'entrer s'il te plaît, j'ai un petit paillasson là. Hey, c'est chez moi, c'est moi qui te fais visiter, pousse-toi. Elle dressait sa maudite barrière autour du Roandel. Ça c'est une petite entrée, tu vois, j'étais inspirée par le petit enclos à l'avant de Goom, il doit serrer, il doit se dire hein, lui-même, ce donjon Nao est déjà super long. Si tu joues à Stéphane Plaza tout le long du donjon, on ne va pas s'en sortir. Mmh. Oh non, elle veut voler ma maison. Dans ce palais, la réalité se plie à ma volonté. Comment ça? Niveau, ça coûte un peu cher. J'avoue là, avec l'augmentation du prix de l'énergie et puis Belshrazade qui fait vraiment n'importe quoi là, mon isolation en prend un coup. Oula. Oulala. J'ai l'impression d'être dans Grim Legends. Oulala! Heureusement qu'on a des bons réflexes, hein. Par contre, ça me saoule que la POV soit sur toi, Goom. Pourquoi moi, je me vois pas faire du surf sur les cailloux? Détourner l'attention de Brelshaza. Hop là, je saute. Je suis championne de saut en longueur, vous le saviez? Vous le saviez pas? Ah, voilà. On va pouvoir... Ah bah, tu vois, Lost Ark, quand t'es un peu en colère, je pense que c'est vraiment cool. Regarde. Bah
Ah oui, ça... ça soulage. Non, je suis pas en vocal. Pourquoi il est sur Discord? J'ai même pas lancé mon Discord. C'est vrai que le matin, on discorde pas trop. Et en plus, lui, normalement, il... bon, officiellement, il bosse, quoi. Tout moment, il part en réunion. Genre... bah, je l'interpelle parce qu'il parle sur le chat. Ah, un monstre. Ah, j'ai jeté du mauvais côté mon sort. J'ai des réus jusqu'à 11h15, on dirait moi. Donc là, t'es en réu, mais tu... c'est fou, ça. T'as la canne ou t'es juste en vocal, mais du coup, tu... arrives à faire deux choses en même temps, je sais pas. T'es puissant, quand même. Ah, j'ai oublié un monstre ou quoi? C'est pas par là, les... ah oui. Juste un vocal. Vaincre la Légion Spectrale, carrément. Bah écoutez, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la Légion Spectrale? Il y a un gros truc qui vient vers nous, là. Marionnette spectrale. Ouais, ça ressemble à la Légion Spectrale, ouais. Effectivement, ouais. J'ai pas très bien tiré. Y'en a encore? Ah oui, autant pour moi. J'en dis pas les mots coco ici, il faut faire le donjon difficile pour certaines. Ok. Pas de mots coco donc. Mais si j'en trouve, je peux quand même les ramasser ou pas? Genre si je tombe, si mon esprit tombe dessus. Pourquoi il y a ça? Bah oui. Excuse-moi. Ah, c'est quoi cette tête de surveillance de porte? Examinons. Quoi? Un échiquier? On va jouer aux échecs? Coucou tes orgues! Oh oui, c'est des échiquiers! On va jouer aux échecs version sorcier! Et ça, c'est quoi? C'est un mini-boss, un pion. Voilà, je l'ai tué. Oh, une mococale! Incroyable. Il y en a une de l'autre côté aussi? J'ai pas été voir. Je vais voir. Salut Lindiel, bonjour Nao, je voulais te souhaiter une bonne et heureuse année 2023 pour toi et toute ta petite famille. C'est adorable, merci beaucoup. Non, de ce côté-là, il n'y a pas. J'avais choisi le côté des mots coco. Pour vaincre Brel'Shaza, je dois d'abord m'occuper de cette barrière. T'aimes les échecs? Ben, on y a joué un peu hein, sur cette chaîne. Les pièces blanches et les pièces noires s'affrontent. Déplacer et associer les pièces correspondantes. Comment ça? Bah je dois être qui? Je suis les blancs ou je suis les noirs? Genre, ah, c'est un fou, il faut que je mette le roi en échec peut-être? Il nous manque leurs homologues. Où sont les tours blanches?
Voilà. Il faut faire une symétrie. Ah. Bah, comment ça ? Comme ça alors ? Ah non, une symétrie. Ok, alors. Il faut que je prenne celle-là. Et que je la mette là. Et on a. On a un genre de symétrie en faisant ça. C'est tout. Je veux les joueuses d'échecs, moi. C'est vraiment pas compliqué, hein. Y'a quoi là-haut? Une salle, mais elle est fermée, d'accord. Je pensais qu'on allait vraiment jouer aux échecs. Je suis un peu déçue, du coup. Ouais, déception, cette partie, la partie la plus facile que j'ai jamais jouée, on peut dire ça comme ça. Oh, je voulais ouvrir la porte, mais Goum est plus rapide que moi. Ah, j'adore les donjons comme ça, c'est très immersif. Oh, c'est stylé de fou. Ouais, ça fait un peu de travaux. Hein. Bon, de toute façon, j'avais des rénovations à faire. J'ai raté des mococos avant. Où ça? Je vois pas. Hein. Me faites pas des fentes à la mococale. Et de toute façon, Goum m'a dit que c'était pas grave. Ah si, il y a une mococale ici. Ah bon? Ah ouais! Goum m'a dit que c'était pas grave parce qu'il y a certaines, on peut que les avoir en mode difficile. Voilà, moi je répète ce qu'a dit le professionnel. On peut ouvrir ça. Ok. De la Légion, c'est extra... Oh là là! Ah ouais! Oh là là, Nao, mais il apprend à viser, non? Non mais c'est trop! Il m'en veut! Il m'en veut. Ah, on est de retour ici. Très bien, mais ça aura peut-être ouvert la porte, non? On va rejouer aux échecs. Ah, ok. Voilà pourquoi il y a une pièce qu'on n'a pas utilisée tout à l'heure. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Goum, Goum. Je pense que je prends spawner. Déjà, et je le mets là. C'est pas très bien mis, je trouve. Oh non! Chien. Chien! Ah ah! Voilà, nickel. Ah, c'est tout. Par le pouvoir du petit poney. À chaque fois, il n'y a qu'une pièce qu'à mettre. Bon, c'est rigolo comme mécanique, quand même. J'ai toujours pas tous les mococos de ce donjon. Bah, Goum, mon professionnel de Lost Ark, a dit qu'il fallait faire en mode difficile. Moi, j'ai fait aucun donjon en mode difficile encore. Voilà. Ouais, ça coûte pas mal cher en électricité. Après, j'ai mon propre système d'énergie, vous savez, ça utilise un peu des ressources de ma propre magie.
C'est plutôt stylé. La chute de Grêle, accurate. J'ai plein de portaux, hein. Portail, des portaux, bien sûr. Ouais, c'est stylé de fou. Ah, mais ça nous tombe dessus! Oh my god! Non, ça reste en l'air? Ah, la gravité, Mais... Oh! Tout ça, c'est pour voir sous ma culotte! Le plan cam! Ah, oh, mais on a compris, hein. j'ai bien compris, ouais. Ouh, un cavalier de la Légion, ok. Ouah, c'est un centaure, le truc! Ouais, j'ai atomisé, ouais. Je vais chercher mon éveil. J'avais pas le temps, ouais. Y'a pas de mococo là, Goum, hein. De toute façon, on est parti. Au moins, il est monté comme un cheval. Il est vrai. Alors... Ouais, ça va être de la reine. Je pense qu'il faut que j'aille la mettre là, tout simplement. Hein. Mais... C'est là que je l'avais mise, hein. Attends, il y a une note à mettre peut-être? Non, je crois pas, hein. Si, il y a peut-être une deuxième. Ah si, ça considère que... Ok. Non mais Nao... Bah quoi, ça considère que ça l'avait mis en fait. Il manque... qu'un... pion, je... crois... Alors, il me manquerait un pion, mais un pion blanc, hein. Et en même temps, j'ai pas de pion blanc, j'en vois pas. Si je teste ça... Et du coup, il devrait être où? Là? Non, c'est trop bizarre. Ici? Salut Poussinator! Bah devant alors! Ah bah oui, bah devant! Non, 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 j'ai mal visé, j'ai mal visé! Ici! Voilà. Voilà, très bien. Voilà! La symétrie! Parfait. On a dû placer deux pièces cette fois-ci! Ça se complique. Enchanté, tu... Ce cauchemar tombe en morceaux. Tu es joueur de Lost Ark, Poustinator? Alors... Est-ce que je peux casser les miroirs? Oh. Oh! Oh, génial! Y'en a qu'une?
Ouais, apparemment, ouais. Le miroir des illusions. Nickel. Et l'autre côté, on peut pas cliquer dessus. Bon. Ok. Oh, c'est gentil. Merci Ake pour le raid et bienvenue à tes viewers. Vous étiez sur quoi? Oh, wow, on dirait vraiment le... les trucs d'Harry Potter, là. Ah, on peut les taper aussi. Bah alors, pas de soucis. Valo lol, have a good stream. Thank you. Je sais pas si tu parles en anglais, mais... je sais pas pourquoi je parle en anglais non plus. Mais vous savez, on est bilingue ici. C'est normal le trou? Ok, c'est normal. Je ne stresse pas. Pas de panique. Tu sais, c'est pas Harry Potter qui a inventé les échecs. Certes, mais le fait qu'ils se déplacent comme ça, les pièces d'échecs vivantes, un peu quand même. Oh, merci, Mavy! Tu offres un sub à Last Koei. Oh! Mais madame, habillez-vous enfin! Ok. Ah, c'est la reine. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a rencontré le cavalier, maintenant la reine. Ok. Ça fait sens. Bon, je lui jette mon éveil dans la tronche, je pense. Elle a combien de barres de vie? 3 encore. Ah! Faut que j'aille dans le miroir? Ah ouais, d'accord. Oh, génial. C'est rigolo. Pendant ce temps-là, on peut pas trop la taper, quoi. Bon, elle va mourir! Ouais! Bien joué, Goom. Le coup de pied fut fatal. On doit prendre un miroir, vraiment? Non, on peut passer à côté. Ben voilà. Ah, ce donjon a des mécaniques qui changent un petit peu de d'habitude, je trouve. Oulala, qu'est-ce qui s'est passé sur le jeu d'échecs? T'as vu, les rénovations se font toutes seules, Mavy. Waouh! Voilà, ça manquait d'un petit étage aussi, je suis d'accord. Cet escalier était nécessaire. Oh, la musique est incroyable là par contre. Petite musique épique comme j'aime. Je vous ai monté la musique, mais c'est vrai qu'on entend v'là les sorts aussi du coup. Hein. Et de viser mon Z là, je lui ai mis dessus, nickel!
Les petites stalagmites. Intéressant. Je ne pensais pas qu'Elzoïne résisterait aussi longtemps à mon cauchemar. Intéressant. Mais écoute, tu nous as pris pour des noobs ou quoi? Mais le poison des rêves a déjà commencé à se répandre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Brelshazzar. L'arbre divin va commencer à pourrir. Non, on vient sauver l'arbre. Waouh. Oh, c'est beau, putain. C'est beau, hein. Genre, je m'en mange la rambarde. Waouh. Ah, c'est vous. Par contre, oui, elle a un flow, cette méchante, là. L'assassin de Kakul Seidon. Et Valkyrie. Oui, c'est moi. Elle me connaît, je suis Fémousse chez les démons. C'est moi, ça fait. Je perçois les doutes qui embrument ton âme. Aucun doute. Laisse-moi te guider dans le monde sacré des cauchemars. Non mais y a aucun doute, madame. Contemple. Ah ! Des boules. Je lui ai lâché mon éveil, mais il fallait peut-être pas. Je pensais qu'on était sur le boss de fin. Elle a fondu comme neige au soleil. Allô ? Allô ? Phase 2. Où elle est ? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses... Ok, ça bouge, des cailloux. Aïe. J'ai pris un caillou, je sais pas où elle est. Je sentais que mon cœur battait fort là. Oulala, des boules! Oulala, des boules! Je me fais rouler dessus. J'arrive pas à viser, je suis une bolosse. Oh bah bravo, Goom! J'ai senti que tu as tapé dans mon dos. Ouais, j'étais en train de me faire bully! Oula! L'élémentaire de feu. Comment il s'appelle déjà? Euphuris. Oulala. Oh, j'ai cru qu'il lui avait écrasé la face. Non. Non mais y a pas... On est des Yamakasi en fait. Bah oui, volons sur cette tour. C'est évident. Mais elle arrête pas de bouger, c'est relou. J'ai jeté du mauvais côté du coup.
lamentable. J'ai l'impression qu'elle se faisait bully et puis plus du tout. Elle a combien de phases, la dame? Normalement, phase 3, c'est à peu près la... On est à phase 2 sur 3, mais quelle est cette sorcellerie? Allez là! Oh, il est derrière moi. Meurs! Insecte! Oui! C'est fâcheux. Comment ça? Ça l'est toujours pas. Je n'ai pas de parachute. Ça va. Je suis arrivée sans encombre. Oh ! On est à terre, Goum, on est à terre. Salutations, ô reine des illusions. Malheureusement, il est bien trop tard, Inanna. Maintenant, regardez mourir votre précieux Roendel. Âme de nos ancêtres. J'ai cru qu'elle allait chanter de chanson, mais on est dans Disney. Au nom de la reine, Où la flamme qui écarte les ténèbres. En fait, le donjon est long juste parce qu'il y a plein de cinématiques, quoi. Par la lumière, sois purifié. C'est un peu une vampire entre de lumière, c'est la Tomis quoi. Tout cela n'est qu'illusion. La lumière, le monde. Vous verrez la vérité bien assez tôt. Oh, quelle complotiste celle-là. On a réussi. Ah, on a réussi, mais il y a des mots cocales. Je peux monter là-haut voir la mot cocale. Waouh, l'arbre. Et on voit pas quand même, hein. Coucou Erzos Metal. On peut pas voir à travers, c'est fou. Fallait deviner. Il y en avait qu'une. Là, clairement, j'en ai eu 4 sur 7 seulement. Pas fou. Bon bah, Azena. Vous avez fait du bon travail. C'est vrai, je suis... bah, vous m'envoyez ravi. On a terminé le Roendel, c'est vrai? Mais non. Nao, j'admets que je vous ai grandement sous-estimé. Je comprends à présent pourquoi ce morveux de Luther en foutre en si haute estime. Attendez, ce morveux de Luther, elle parle de... du prince Tyrène. Suivez-moi, en tant que reine du Roendel, j'ai quelque chose à vous montrer. Tu vois, c'est pas terminé, elle a quelque chose à montrer.
Les derniers rayons du crépuscule se retirent. Inquiète. Nous devons nous préparer à vaincre de nouveau les ténèbres. La lumière que le Roendel a protégée illuminera la voie que vous devez suivre. Mon jeu est arrêté. Non, mais je crois pas que ce soit un crash. Le live est off. Non. Ah si. Non, mais je pense que ça va revenir tout seul. C'est le jeu qui m'a fait crash, hein. C'est le jeu qui m'a fait crash. Est-ce que vous me voyez où, là? Ouais, vous me voyez, je suis de retour. Je suis pas vraiment partie, hein. Je suis pas vraiment partie, c'est le jeu. Est-ce que ça m'a fait revenir? Pas du tout. Est-ce qu'il faut que... Mon jeu est cassé. C'est le jeu qui a fait crash le live, si tu veux mon avis. Hein. Je sais pas quel était le truc de la cinématique, mais je crois que j'ai eu une arche en plus. T'es pas revenu chez toi? Ah bah chez moi je suis... Sur mon propre live je suis revenu. Donc ça va, on est là. Non je te jure, je pense que mon jeu a crash et c'est ça qui a fait crash... Ça a fait crash le live parce que trop de pression pour le PC. Problème de PC ou problème de co, je sais pas. Du coup, bah, j'ai un petit chargement. Mais du coup, ça me fait quitter sans avoir le coffre. Non ? Remets vie ! J'ai peur que ça m'ait fait quitter le donjon et donc que j'ai pas de coffre. Comment ça, j'ai le bug du chargement infini? Non mais... T'as le droit de relancer ton jeu, je pense! Non mais c'est trop... Non mais insupportable! Non c'est bon, regarde! Et est-ce que j'ai le droit au coffre ou pas? Ah oui! Je peux monter le chercher, nice! Ah, j'ai eu peur. Ah, t'as été médisant avec le jeu, je trouve. Ok, le coffre. Ma tête est dans le coffre, en fait. C'est normal? Qu'est-ce que je fais à ce coffre? C'est bizarre. Alors, ça, je peux consommer. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Ah, ça c'était Chromanium d'ailleurs. J'avais pas ouvert. Ah bah, je peux pas l'ouvrir non plus. Attends, peut-être il faut que je sorte d'ici pour les ouvrir. Y'a un décalage sur l'image? Normalement, il devrait pas y avoir. Un petit F5. Alors, je vais ouvrir cette chose. Et je vais ouvrir cette chose. Qu'est-ce que j'ai eu? Je les ouvre ceux-là aussi? Allez, je les ouvre. Alors, peut-être je peux augmenter mon stuff, voyons voir. Coup critique, expertise, c'est nul. Domination, c'est nul. Rapidité! Elle est bien celle-là! Plus 93, je la mets, Goom! Je pense que oui, hein, il va me dire oui. Là, j'ai une bague rapidité 82 et là, une rapidité 80. Donc, on va mettre à la place de la rapidité 80. Et ça. Rapidité! Ah ouais, mais il faut coup critique et rapidité, non, sur l'écolier. Je crois. Tu vas me confirmer, mais il me semble que c'est... Il faut absolument coup critique et rapidité. Sur l'écolier. Et là, j'ai rapidité, c'était pas mal! Mais endurance, quoi.
Ouais, faut les deux, sinon poubelle. Bon, bah... Bon, bah, poubelle, alors. Et ça, expert fracture, poubelle. Donc, on a dit poubelle. Poubelle, poubelle. Poubelle et poubelle. Tout est parti à la poubelle. Où sont mes quêtes? J'ai plus de quêtes! Ça va pas du tout. Je suis perdue, je suis toute nulle là. Sans quêtes? Je n'ai plus de but dans ma vie. Où qu'elles sont? La journal de quêtes. Du coup, comme j'ai trouvé l'arche, il va peut-être falloir que j'aille la ramener. On n'a plus de quête, c'est terrible! Quête principale. Je vois pas. J'ai encore une quête Nao. La bleue. Bon, je vais aller là et puis on verra bien. Je te suis. Je te suis en fait. Ça me fait penser que j'ai pas ramassé mon courrier. Mais ce donjon a été très très chouette. J'ai bien aimé les trucs du journal et tout. Dans mon journal, la quête bleue. Celle-là? Non mais... Ah oui. C'est bon, on se sent mieux du coup. Effectivement, c'était masqué, t'avais raison. De toute façon, t'as toujours raison. Oh là là, il va partir de là avec un melon. Je vais voir la reine! Non, je suis pas sûre que je vais devoir la reine en fait. Nana. Si, c'est l'autre personnalité Elle de la reine. Va bien. Merci. Mais maintenant que vous avez l'arche, Brelshaza n'aura de cesse de vous traquer. Je pense néanmoins qu'elle devrait être en sécurité à Trixion. Eh ben, je vais jouer le chant de Trixion, très bonne idée. Ça fait super longtemps en plus qu'on n'a pas vu Béatrice. Béatrice, mon ancien serveur, hein, pour ceux qui ont suivi le début de mes aventures. Ah, on va aller voir Béa, ça nous fait plaisir. Bon, pas mal de chargements ce matin, du coup. Hein. On charge. Oh là 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 là. Oui, regarde ça. Encore une. C'est le Dofus Ocre, ça, je reconnais. L'arche de sagesse. Il ressemble un peu, hein. On a l'émeraude, le pourpre. Mais il m'en manque la volonté deux, de genre. Monde, de l'âge d'Arkesia, vous est maintenant transmise. C'est-à-dire... Il me manque deux arches seulement et on a fini le jeu, incroyable. Alors, est-ce que j'ai un cadeau pour elle? Je crois pas. Par contre, je peux jouer une petite musique. J'ai pas ses chansons. Ça me fait 5 sur 7. Je peux lui faire une petite prière. Madame. Ok. Oh bah, on peut partir alors. Ouais, 5 sur 7, c'est pas mal déjà. Et c'est ainsi qu'elle va comprendre pourquoi le jeu s'appelle Lost Ark. Non mais ça je sais déjà. Par contre ça c'est très bizarre, regarde les skins que tu peux avoir dans le jeu. Je trouve ça dénote grave avec l'ambiance globale. Mais je sais que le jeu s'appelle l'Arche Perdue et non pas, je sais pas, le montage de barre. Il aurait pu s'appeler comme ça aussi ceci étant. Mais non, j'ai compris. Mais du coup, l'Arche... Ah!
Attends. L'arche perdue s'appelle l'arche perdue, non pas parce que depuis le début du jeu, on cherche des arches partout et qu'on finit par les ramener à la maison, mais les bel et bien parce que sur les 7, il y en a une qui est définitivement perdue. Pourquoi on se casse le cul à trouver les autres alors ? Ça y est, elle vient de comprendre qu'on va être bloqué à 6 sur 7. Alors, moi je pensais qu'il nous faisait une Dofus-tière, tu vois. Parce que Dofus, pendant longtemps, évidemment, donc Dofus, si tu connais pas, MMORPG français dans lequel tu dois réunir les 6 œufs de dragon primordiaux. Et jusqu'à il y a quoi ? 4 ans ? 3 ? Ça va vite le temps avec les confinements, tout ça ? Bah, il y en avait que 4 dans le jeu de primordiaux, hein. Donc on ne pouvait pas finir le jeu. Et oui. Sauf que ça s'appelle pas... Bah si, le jeu s'appelle Dofus, merde. Donc bon. Nous avons repoussé les démons. Moi aussi, je croyais que c'était juste pas encore implémenté comme... à tout moment, il te rajoute le Dofus Ivoire. Combien d'heures de jeu? Bah je pense... Ah, c'est dur à dire. 93 heures. 93 heures de jeu. Bon, oh, on prend notre temps ici, même pour comprendre le lore. Nous avons repoussé les démons, oui, super. Mais il reste encore beaucoup à faire, tu vois, il y a encore du travail, il y a du boulot. Je suis pas sûre que l'arche soit le seul de nos objectifs. Et puis on doit faire monter des barres, quoi. Allons autre part, j'ai quelque chose à vous montrer. Faire monter ma barre. Techniquement, dans notre version du jeu, c'est pas encore implémenté. En Corée, ils ont la suite, mais je ne dirai rien. Ouais, toi, tu t'es spoil, quoi. Elle a quelque chose à montrer, je sais pas. Oula. C'est... On va annoncer notre mariage. Je pense. Quand on va au balcon comme ça, c'est pour annoncer au peuple des fiançailles, non? Inanna et moi avons observé de près l'évolution du monde. Ils étaient trop nombreux à viser l'arche. Elle est belle. Et pour protéger le Roendel, nous avons dû nous isoler du reste du monde. Il y a quelque temps, les gens sont beaux. Appelé Lutheran, ce continent, c'est le plus beau. Tout comme vous. Un homme du Lutheran. C'est très voyant ici. Mais la vue est belle. Oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est vivant, les gens ont l'air heureux. On n'a pas annoncé notre mariage par contre. Je pense que j'ai raté un petit truc. Je vais demander des explications parce que... C'est désormais autour. Elle m'attend, la cible sur le canapé. Tous les Sylvains se battront contre Kazeros pour le bien du Roendel. Kazeros, c'est pas le gros méchant chef de la Légion des Démons, là? Comme vous qui avez combattu pour le Roendel, je ne resterai pas les bras croisés à regarder les démons détruire Arkhesia. Naomé, c'est une promesse solennelle que je vous fais en tant que reine du Roendel et représentant du peuple Sylvain. Si à un moment, à n'importe quel moment, vous avez besoin de l'aide du Roendel, celui-ci répondra à votre appel. Ah, merci madame, c'est très gentil. Azena souhaite vous voir. C'est-à-dire... Ah, en paquebot en direction de Yorn. Atteindre le niveau 600. Il level 600, mais non. Attendez, je parle à madame. Peut-être je peux faire monter sa barre. Vous avez besoin de plus de courage. Quoi? Je viens de sauver ton continent de mort et tu me trouves pas assez courageuse? Non mais je vous jure, les mecs dans ce jeu, tu peux leur faire monter la barre trop facilement. Genre, il n'y a pas vraiment de conditions prérequis ni rien. Mais les meufs... Il faut plus de charisme pour parler à Sacha. Il faut plus de courage pour parler à Zena. On est... Ouais, non mais... assez accurate avec leur avis, je trouve. Alors
que lui, là, il est en train de lui de la charmer, c'est sûr. C'est sûr. Je le vois, là, gros, comme une maison, lui. Il a assez de courage, lui. Ok. Esprit pour qui? Je suis gardienne du Duquerin, je dois même avoir un titre. J'ai pas eu un titre, là, pour avoir sauvé le Roendel, en vrai. Oh, si j'ai pas, je mérite. Je méritais grave un titre. Profil du personnage, c'est pas là qu'on a les titres. Bon, apparence et vertu. Ah non, c'est pas ça. Titre. Ami de la reine. Ami de la reine. Du friendzone, putain. Chop, il s'est fait refouler par Tyrain. Je ris fort. Ok, attends Goom, je vais lancer le Discord. Bah ouais, son cœur est pris par moi. C'est sûr même. Je sais jamais la dinguerie. T'inquiète, ça va t'arriver aussi. Bah pourquoi non, moi je lui parle. C'est à quel niveau de barre qui te... Quand la barre est lancée, non? Cette discussion est très étrange. Je charge Discord là actuellement, voilà, parce que j'ai besoin d'aller sur la conversation avec Goom. Ok. Gardienologue 5, début d'éveil 2. Ok, bah je te suis. Je devrais pas monter mon stuff. À tout hasard. Pour le gardienologue 5. Au bout d'un moment, il faut faire des quêtes et elles ont des prérequis de vertu. On va faire les gardienologues 5, Goom. C'était un roadmap, hein. Goom, Goom, Goom. Il me répond pas. Il répond à tout le chat, mais pas à moi. Je sais pas comment le prendre. La quête des gardiens, c'est aux terres arides affligées. Manque plus que le symbole d'Ignia, je l'ai pas. Attends une seconde. Bah, j'attends. J'en profite pour me pavaner sur ma superbe monture. Ah, bah non, mais je sortais là en fait. Je vais me promener un petit peu dans la ville en attendant. Sur mon chamcoury. Oh, une quête. On rigole, on rigole. Naomi, vous appelez bien Naomi? Oui, tout à fait. Il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Votre nom est apparu d'un seul coup sur un courrier dont le destinataire était illisible. Le Roendel est une terre de magie, mais ça c'est du jamais vu. Votre nom est apparu très clairement alors que jusque-là, l'encre était toute délavée. J'ai dû parler pendant 2 minutes. C'était quoi la question? Bah, Gardienologue 5, c'était un roadmap. Mais c'est vraiment mon nom? Oui, votre nom, Naomi, c'est clairement écrit sur cette enveloppe. Ce courrier est en mauvais état, il doit venir de loin, mais votre nom apparaît très clairement comme s'il venait d'être écrit. Tenez, je pense qu'il vous revient. Oh. Oh! C'est pas l'éveil 2? J'ouvre le courrier, hein, si vous me permettez. Interroger Aberuth pour briser le sceau. Mon chamcoury. La lancer, mais attends la semaine là, parce que c'est très long. Oui, non mais certes, non mais moi je t'attends pour les gardienologues. Et pendant ce temps là, bah écoute, j'ai rien d'autre à faire. Alors je vais aller voir Aberuth, hein, si tu m'en veux pas. Au moins j'avance, tu vois. Je suis, comment on dit? Productive. Oui, c'est comme un chocobo, exactement. Héritière, qu'est-ce qui vous amène?
Ah, vous voulez briser le sceau magique sur cette enveloppe? Bien sûr, cela devrait être facile, voyons voir. Ça prend 6 heures cette quête. Ah ouais? Mais paraît-il qu'on a des nouvelles d'Armel. Parce que moi j'attends des nouvelles d'Armel. La dernière fois qu'on l'a vu, il a franchi un portail avec Carmine. On a failli perdre Prince Tyrain dans cette équation, c'était terrible. Bah je t'ai dit que les gardiens de Hawks étaient aux terres arides affligées. Il faut prendre le bateau, Nao. Ah! Cette magie est mêlée à un étrange pouvoir. C'est comme si elle existait à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. Mais d'habitude, tu me TP, je comprends pas. À ma connaissance, la seule personne au Wendel capable de comprendre un tel pouvoir est Sa Majesté Azena. Vous devriez aller la voir. Mais j'en viens! Oh, j'ai perdu mon temps à venir jusqu'ici. À chaque fois, je fais F5 au lieu de 5, c'est nul. Les terres arides, un paquebot, tu dis? Attends, moi j'ai oublié. Hein. Là aussi, il y a une quête. Déluge de pétales. Je vais prendre ce triport. Bah non, je t'ai jamais TP. Bah... Faut aller voir Luna sur l'île avant de cogner le gardien. Ça me rappelle rien. Est-ce que j'ai la bonne quête? Je vais aller voir dans mes quêtes. Il doit y avoir un truc genre gardienologue. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Défenseur de la justice. Origine bestiale peut-être. Non, non plus hein. Guide, événement, les gardienologues, c'est pas précisé, hein. Faut la lancer sur l'île. Bah ouais, mais comment je sais c'est quoi l'île? Parce que moi j'ai oublié. Enfin, nous sommes au Roendel. Le paquebot va sur l'île au moins. Et bienvenue au Roendel. Bah au revoir, j'ai adoré ici en tout cas. Attends, mais y a pas de paquebot? Je suis montée sur mon bateau. C'est pas mon bateau que je devais prendre, c'est un paquebot, on est d'accord. Un outil de recherche sur la map pour trouver l'île. Voyons voir. Terres arides. Affligées. Ah ouais. Mais bah on prend un paquebot au Luthéran. Non. Ça ferait gagner du temps quand même. Je teste. Paquebot Luthéran et vroom vroom le bateau. Vogue vogue le bateau. Après jusqu'aux terres arides affligées je pense. Il doit... Ah mais si, il y a un paquebot là. Fouiller du paquebot. On m'a fait crash encore. Kiff, 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 kiff. Surtout qu'on peut pas aller au Luthéran d'ici. Le paquebot ne va pas au Luthéran, je vous jure. Oh bon bah, casse les couilles. On y va en bateau tout seul. Enfin, c'est comme la SNCF là. Au final, on prend notre voiture.
ça y est, je suis refrustrée maintenant. Luthéran pas accessible depuis le Rwendel. Ouais, mais je vais pas faire Berne Nord, into Luthéran, into... Ouais, c'est bon, on prend notre bateau. On mettra un Bifrost sur l'île pour y revenir plus tard sans avoir à prendre le bateau. Du coup, est-ce que j'aurais pas d'intérêt à utiliser mon Bifrost, parce que moi j'en ai qu'un, pour retourner à l'île de la Berceuse avant de réutiliser, enfin de changer de place à mon Bifrost? Puisque comme tu le sais, j'ai oublié de parler à un PNJ. C'est des choses qui arrivent. Youhou! Comment s'appelle ce charmant petit gardien? Assez loin, mais avec le Bifrost, on va vite. Ah ouais? Ok. Mais j'ai que un Bifrost, moi, je crois. Hein. J'ai pas le pass, ce truc. J'ai hâte de faire cette quête de l'éveil, en vrai, vous m'avez chauffé, là. Ami de la reine. Si Reign s'y voit ça, il va être deg, non? Lui aussi, il a dit que j'étais son ami. Sa vieille amie, même, il avait précisé le... Bâtard. J-Pep, t'es pris pour qui lui aussi là? En vrai, elle est cool, hein, mais pff, c'est loin. Moi, je trouve que le Rwendel, en vrai, on en est parti un peu vite, hein. Il y avait des quêtes à faire encore là-bas. Hein. Et bon, t'avais l'air de dire gardienologue, bon. Tu sais, quand je pars d'un continent, en général, j'ai parlé un peu aux gens du village et tout, hein. Mais bon, moi je suis l'écho là, hein. Tu m'as fait une petite carte. Une petite roadmap. Du coup j'essaye de respecter quoi. Surtout qu'il est déjà 11h30, on va avoir à peine le temps d'arriver sur les terres arides. Tu veux 100% un jour, non? Non, tu feras les quêtes en raclant la zone. Oui, mais bon, on peut déjà... C'est parce que faire ces petites quêtes, mine de rien, c'est là qu'on gagne des petits points de charisme, des petits points de courage, des petits points de bonté qui après bloquent pas le reste des négociations avec les PNJ quand on veut faire monter leur barre. You know what I mean? Ils veulent rush. Ils vont pas bien regarder, hein. Rush, quelle drôle d'idée. Ah, avis de tempête sur le Black Pearl actuellement. Nous traversons une petite mer tempétueuse. Accrochez-vous, ça va bouger. Non, en vrai, t'inquiète, tu vas être bloqué par les matériaux pour passer 600. Ah bon, j'ai l'impression d'en avoir pas mal, hein. Mine 2. Le rush slow run, un concept. Ça s'appelle un concept. Le slow rush. Le slow rush. Y a que ça ici, ça n'existe qu'ici, je pense. Ici, on va faire bientôt un slow rush, ouais. On n'a pas tant que ça, et à partir de plus 12, ça monte un par un et ça commence à coûter pas mal. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour avoir plus de matériaux?
on est dans la mer de Guiena, c'est ça, on a changé de mer. Les îles. Ah, les fameuses. La fameuse route du farm, non, c'est pas ce que vous faites. Des donjons du chaos, aussi. Aussi. Puis on est en Bretagne, ouais. En tout cas, ça y ressemble. Je vais éviter d'aller dans la mer de sable tout de suite, là. Je vais longer. Je vais y aller grave en vertical, genre. Vous voyez ce que je veux dire? La route du farm. Bah écoutez, ce sera peut-être l'occasion, parce que depuis le temps qu'on m'en parle, de cette route du farm, j'avoue, je l'ai jamais faite dans les règles de l'art. Je l'ai jamais faite tout court. D'ailleurs, ni sans règles... Avec ou sans règles, on l'a jamais faite. Bah la mère, elle a une sale gueule ici. Hop là. Ah. Mais... J'étais amarrée, non? Ah ouais. Faudra que je l'adapte un peu parce qu'on a fait des bribes en voulant te passer 460. Ah. Ok, je suis là, je suis arrivée. Ok Luna, mais moi je savais pas qu'elle nous attendait là. Hein. Enquêtons donc sur un autre gardien dans les terres arides affligées, d'accord? Il y a peu, un rugissement terrible a glacé le sang de toutes les créatures de la crête. Je veux savoir quel type de gardien a pu faire ce bruit. Revenez me voir si vous trouvez quoi que ce soit, assistant gardienologue. Chromanium. On l'a déjà battu lui. Mais on l'a déjà fait, Goom, Chromanium. En fait, on l'a fait sans faire la quête. Et c'est pour ça que tu m'avais TP et que j'avais cette impression d'avoir été TP. Ces empreintes sont énormes! En jugé par ses griffes plutôt rondes, les attaques de ce gardien sont certainement plus contondantes que tranchantes. De plus, vu la profondeur des empreintes, c'est sûrement une créature grande et lourde. C'est la tortue, là! Ben oui, non, j'avais pas fait la quête. Regardez, j'ai trouvé des preuves certaines de l'apparition d'un gardien. Regardez comme la couleur est différente du sol autour. Les gardienologues, c'est la quête tour du monde de Dofus en gros. Cet état doit avoir été créé par le gardien, ce qui signifie que la créature est liée à la terre. En tant que gardienologue, nous devons rassembler des indices comme ceci et les analyser rapidement. Nous n'avons pas encore assez d'indications, mais continuez à chercher et nous pourrons rapidement en déduire l'identité de ce gardien. Assistante, qu'avez-vous trouvé? Des empreintes? Où ça? Quand ça? Vous êtes sûre que ce sont des empreintes? Quelle est leur taille? Leur profondeur? Oh, vous avez déjà examiné tout ça. Beau travail. Je vais aller voir ça de plus près. Vous devriez examiner ce tas de terre que j'ai découvert. Je regarde le tas de terre. Luna avait raison à propos des tas de terre étrangement colorés. Je vois pas de couleur, moi. Vu leur direction et leur humidité, ce sont les traces d'un souffle. Et certains sont aussi écrasés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bah, elle va peut-être nous dire, celle-là, professionnelle. J'ai examiné ces empreintes que vous avez trouvées. En jugée par leur intervalle et leur profondeur, elle appartient à un gardien lent et lourd qui aime piétiner. Je pense savoir de quel gardien il s'agit, mais il me faudrait plus d'indices pour en être sûr. J'ai trouvé autre chose. Certains de ces tas de terre ont été écrasés. Des tas écrasés, ce sont peut-être... des traces faites par le gardien en tombant après avoir été déséquilibré. Vous êtes une tueuse de gardien, je ne crois pas avoir besoin de vous expliquer ce qu'est le déséquilibre. Vas-y, explique toujours. Quelle nouille. Comment avez-vous pu vaincre un gardien sans même savoir ce qu'était le déséquilibre? Chaque compétence d'attaque que nous utilisons crée un certain nombre de points de déséquilibre. Quand un gardien atteint le chiffre maximum, il devient déséquilibré. Dans cet état, vous pouvez lui lancer des coups puissants, ce qui augmente votre chance de l'achever. Bon, il ne me reste plus qu'un seul indice à obtenir pour confirmer ma théorie. Continuez à examiner les environs. Moi, je croyais que d'après Goom, c'était mon sort qui pouvait le déséquilibrer, mais en fait, c'est juste le cumul des sorts qui déséquilibre. Une branche! C'est un indice, ça. Non, par contre, on dirait des vautours, mais c'est des corbeaux, mais ils cherchent quoi? Il y a un cadavre? Nous sommes si proches de le trouver.
Il n'a pas pu déjà disparaître de la crête tout de même. J'aimerais vraiment pouvoir l'observer de près. Mais nous ne pourrons pas l'approcher avant de savoir qui il est. Ces trains gardiens peuvent nous détecter dès que nous le découvrons. Si je suis sur la bonne piste, cette créature aurait dû lâcher quelque chose de dur par ici. Quelque chose de dur! Il a fait caca! Dis-le! Dis les termes! Une carapace brisée! Ah, pas du tout! son épaisse peau semble craquer! J'ai pas vu la suite. Vous avez trouvé une carapace brisée? Waouh! Je savais que je pouvais compter sur vous, enfin bref, c'est la carapace brisée du gardien. Bien que résistante, elle est vulnérable aux dégâts de destruction. Portez-lui des attaques de destruction et le gardien verra sa défense grandement réduite. Cela signifie que le gardien qui est apparu sur les terres arides affligées est... Chromanium. Oui, c'est forcément Chromanium. Il est lourd et lent, mais très destructeur. Il utilise la terre, il a une carapace solide. Tous ces indices pointent vers Chromanium. Incroyable en tout cas, je n'aurais jamais pu le deviner sans vous. Chromanium a été découvert pour la première fois à Plessia. C'est l'un des premiers gardiens à s'être réveillé. Il y avait un hameau près de l'endroit où il dormait, et les enfants du village glissaient sur son dos pensant que c'était une butte en terre. Heureusement, personne n'a été blessé, mais du jour au lendemain, la petite colline près du village a disparu. Trop bizarre. Depuis, il s'est déplacé jusqu'ici, aux terres arides affligées, pour y attendre les ordres de Vergris. Et en vrai, ça fait vachement écho au dernier Disney, là. Comment c'est? Les aventures... Le dernier Disney qui est sorti, il n'est pas sorti au ciné, il est sur Disney+. N'en dis pas plus, mais ça me fait écho. Chromanium ne pourra pas nous suivre si nous nous cachons et l'observons de loin. Allons-y. Les aventures... Ouais, je sais plus. Je sais plus comment c'est ça. En Avalonia ou un truc comme ça. Il y a un nom un peu comme ça. Mais les aventures d'Avalonia, je trouve que ça fait un peu bis repetita. Il doit y avoir un autre bail. Ah, c'est bien Avalonia. Je l'ai pas vu encore. Il est chouette. Franchement, il est chouette. En plus, il y a les premiers personnages un peu LGBT affirmés. Genre, on est vraiment sûr, c'est littéralement dit quoi. Le doute n'est pas permis. Soyez prudente en l'approchant. Observez ses mouvements. J'observe, je vois une grosse tortue dégueu. À détruire sa carapace avec vos compétences de destruction. Moi, j'ai des compétences de destruction officiellement. Ou c'est un sort spécifique? Cela vous permettra d'avoir un léger avantage. En mode, utilise des sorts qui tapent et non pas des sorts... qui soignent, merci quoi. La grande aventure quelque chose en Avalonia. Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Je n'avais encore jamais vu un gardien d'aussi près. Je suis tellement heureuse d'avoir décidé de devenir gardiennologue. J'ai l'occasion d'étudier des créatures vraiment fantastiques. Eh ben, moi aussi je suis heureuse de l'avoir vu avec vous. Pff, en fun fact, je crois que la sorcière flue n'utilise pas de sorts de destruction. Ah bah yes! Vous essayez de m'attirer des ennuis? Je vais l'acclamer, je ne sais pas pourquoi. Mais j'essaye de... Je sais pas. J'essaye de la draguer, là, je pense. Wouhou! Bravo, Luna! Bon sang, vous allez nous faire tuer! Vous êtes vraiment si excité que ça? Ben... Eh. Comment ça, elle est partie? Elle est retournée là-bas? Non, mais j'y pepe! J'étais en train de lui parler! Elle est partie! Oui, je suis excitée, ça te pose un problème? Oh, mon bas, mon cœur, bah encore la chamade, je suis tellement heureuse. Vous en savez plus sur Chromanium à présent. Eh, vous écoutiez? Vous vous souvenez au moins de quel élément est lié Chromanium, j'espère? Oui, terre. Correct. Et vous vous souvenez aussi de sa faiblesse? La destruction. Correct. Briser la carapace de Chromanium avec une attaque de points faibles et sa défense sera grandement réduite. Vous pourrez alors lui infliger plus de dégâts. Mais j'ai pas ça, donc je vais pas le faire. Avoir rencontré Chromanium, cela fait aujourd'hui une date vraiment importante pour moi. Allez, je vais vous faire un cadeau pour vous remercier de votre aide lors de cette parfaite étude. Si vous envisagez d'affronter Chromanium... Ah oui, ma jauge, c'est vrai, j'utilise la barre espace, mais c'est X en fait, je crois. Souvenez-vous de ce que nous avons découvert ensemble et tirez-en profit. Ah ouais, je vais faire ça. Avez-vous trouvé du monde pour combattre Chromanium à vos côtés? Pas encore, j'y travaille. J'espère que vous trouverez d'aussi beaux compagnons que cette tueuse. Je sais que vous en sortirez dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, faites attention, vous êtes un élément indispensable à l'association. Vous le savez, n'est-ce pas? Je suis sûre que tout ira bien. C'est Luna Lovegood! Elle a un peu changé, mais... Retrouvez-moi ici dans les terres arides affligées quand vous serez prête. Je vous attendrai. Tu
Je suis prête pour Cro-Magnon. Ouais, c'est mon X. Ouais, je l'ai bien utilisé, je trouve. Ah, mais je me TP n'importe où, genre... Ah, ça dépend de ma souris. Moi, je vais pas utiliser la dernière, mais ouais, carrément. C'est pour ça que je me prends des murs. C'est que je vise des murs, en fait. On attend shop et on lance. Bah, on attend shop. Où est-il? Parce qu'il est 11h42, hein. Où es-tu, shop? Où es-tu? Je peux avancer... Comment ça, je peux avancer sur la quête d'éveil en attendant? Ah ouais, je peux... Ok, j'ai pas besoin d'être sur cette île-là, alors. Attends, je cherche mes flûtes. Chant de retour, je rentre à Rotin. Je crois que c'est bien. Hein. Ok, nice. Je suis de retour pour vous jouer à un mauvais tour et les quêtes que j'ai pas pu faire, peut-être que j'en ferai mon affaire. Mais d'abord, on va parler à Azena. Ah. Le Bifrost. Ah bah. On a oublié. Bah. Ah tant pis. Voilà, voilà. Bah, ça sera l'occasion de refaire du bateau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un courrier enchanté? Votre nom est apparu d'un seul coup parce que sa magie vous a répondu. Votre nom, votre présence, vos souvenirs, votre puissance active sa magie. Je vais briser le sceau sur l'enveloppe. Dès qu'il sera brisé, la magie affluera en vous. Nao, vous allez obtenir un nouveau pouvoir. Préparez-vous à le recevoir. Est-ce que ça me rajoute des points de charisme, ce nouveau pouvoir? Salut Stark. Alors je sais pas, mais maintenant, c'est plus du courage dont elle a besoin, c'est de la sagesse. Bah, vas-y là. Attends, j'accepte mon nouveau pouvoir. Sentez-vous le nouveau pouvoir? Oui, mais je peux pas vous en parler. Au revoir madame. Désolée, je peux pas vous répondre, je suis attendue en Cro-Magnon en fait. Y a pas de mystère, quoi. Ok, Cro-Magnon. Bon, on l'a déjà battu une fois. On l'a battu une fois, mais il y avait Sainte Memeu avec nous, par contre. Hein. Nous, on avait eu quelques difficultés techniques de mémoire. Ok, c'est parti. Cro-Magnon. Cro-Magnon. J'ai un peu jeté ça dans le zèf quand même. Au début, il bouge pas trop, mais c'est vrai qu'après, à un moment, il bouge pas mal, quoi. Ah. Un peu étourdi, la meuf. Oh. Nao, fais un effort où tu vises! Il est KO là, c'est parti! Ouais, mais en même temps, je peux pas envoyer plus de trucs que ce que j'envoie déjà. Hein. Je manque de sorts au bout d'un moment.
Il chie. Il chie du feu. Ça y est, il commence à bouger là. Bon après, Mevy, merci d'être passé. Pardon. Bah yes. Il était sur son chemin, je crois. J'ai consommé un truc. C'était le décès de mon côté. Pas fou ça, Nao. Il reste pas dans la zone de mes soirs non plus, c'est chiant un peu. Là on peut lui mettre plein de trucs là, c'est le moment. J'aime bien, je me fais ping. On a peur que je meure. Secondes, le retour de l'éveil. Ah, oulala! Assad décédait. C'est bon, on n'est pas mort. Pas encore, du moins. Ah! Bon bah. Ah, c'est bon, on n'est pas mort, mais. Oui, j'avoue, Nao en train de massacrer son animal totem. Bon ben on va regarder, bon courage hein. On va encore mourir comme la dernière fois je pense. Déjà la dernière fois on était mort comme des cacas sur ce gardienologue. Pourtant j'avais l'impression d'être quand même un peu loin du truc, mais bon, même pas. 11h50, l'oiseau de mauvaise augure vous annonce qu'il ne reste que 10 minutes. Attends, je me fais PL là, j'espère que ça va pas, t'es. Ils ont intérêt de finir avant midi, vraiment. Je suis vraiment à la pire. Oh là là, Chop, il spam le marteau. T'es dans le... Attention, elle va te chier dessus. Oh non, Chop. Oh bah Goom, t'es tout seul, hein. Chop qui n'avait pas vu le caca. Ah, Goom il l'a vu, Goom il l'a vu. Goom il a les patterns. Ça va être super long du coup s'il est tout seul. Vous pensez il y arrive en 10 minutes? Après on a mis quelques dégâts, c'est dommage. Genre, j'étais vraiment genre à 40 secondes de mon deuxième éveil. Ça aurait pu faire un peu de trucs. Ah, on vient de changer de phase là. On est sur une petite phase 2 seulement. Oh bah il y a encore du boulot hein. Le mob décide de me OS quand je suis en animation tout ça, j'y peux rien. Bah, moi j'avais l'impression d'être super loin mais apparemment bah non. Parfois j'ai des petits problèmes de perspective, vous voyez.
Vas-y, Goom! Un truc avec sa bouche. Après, quand on les observe comme ça, c'est facile d'avoir le pattern, mais je trouve que quand t'es dans le jeu en train de lancer tes sorts en même temps, c'est beaucoup plus dur à observer, je trouve. Hein. Peut-être qu'il y a une façon de regarder le jeu... Ouais, mais c'est peut-être... Parce que moi, je regarde encore mes touches quand j'appuie dessus. Hein. C'est ça le souci, en fait. Ouais, bravo Goom! Incroyable! Bah, Goom qui nous carie. Un point de courage! C'est pour parler à... Morpheus qui hurle à la mort. Eh, hey, avant midi en plus, si ça c'est pas de la télé. Bon. Nous noterons pas ma performance. Je vais ramasser les coffres. C'est quoi une étoile de liesse? J'ai eu plein de trucs. Ah oui, parce que du coup, après ça, j'imagine qu'il faut retourner parler à Luna et c'est terrible. Parce qu'elle est à l'autre bout du continent, quoi. À l'autre bout du monde, que dis-je. Qu'est-ce que j'ai eu de beau. Alors, rapidité plus 91. Bah ça, on met ça tous les jours. Après, la qualité est pas faux folle. Je mets quand même ou pas, même si la qualité est pas folle, Goom. Wouh, celle-là, elle est géniale. Qualité 73, légendaire doré, plus rapidité 103. Où est mon stuff? Bah, en vrai, celle-là est mieux. Et celle-là, la qualité est mieux. Donc on met celle-là tous les jours. Rapidité légendaire, reflux si possible. Ouais, c'est pas... Ça, c'est pas ça. Et là, domination durant, ça c'est nul. Ah, étoile de liesse. Ah oui, c'est le truc, l'île qui donne des cadeaux. Ok. Je me demandais ce que c'était, mais d'ailleurs, je sais pas où c'est parti. Mais là, ne donnez pas reflux de toute manière. Ah non, mais... Très joli, très joli, très joli stuff. Go sur l'île avant que l'event se termine. Pourquoi d'un coup, d'un seul, on se précipite? Je vais pas avoir le temps là d'aller sur l'île, il est 56. Sentez-vous le nouveau pouvoir? Bah, il a disparu très vite. Il n'a pas disparu. Je le sens encore, vaguement. Le pouvoir a été absorbé en vous. D'accord. Le sceau magique a été brisé et un nouveau pouvoir vous a été accordé. La suite dépend de vous. Continuez à voyager pour prendre conscience du pouvoir qui est vôtre. Rendez-vous au jardin du destin. L'orbe magique pourra peut-être vous y aider. L'orbe magique, elle a dit. Je peux toujours pas lui parler. Il manque du charisme cette fois. Ouais, il manque tout en fait. Il y a aussi des tickets, des choses comme ça, il y a des choses cosmétiques aussi, des trucs à manger. Ouais, j'y vois pas spécialement d'urgence. L'île sera encore là la semaine prochaine ou pas? Il est là l'orbe? L'orbe est là. Non. Ah bah dommage.
Bah dommage, parce que là, j'ai pas le temps d'y jouer, en fait. Hein. Enfin, je vais pas avoir le temps d'aller... Osef. Ok, bah Osef. Moi, ça me va bien, Osef, ouais. Il se fout de ma gueule du chocobo, là. Ah ouais, il faut être 1370. Bah, c'est clairement pas une île pour moi, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Aventurière, je suis désolée que vous ayez dû assister à ça. Je suis tellement bouleversée que je n'ai pas été moi-même l'espace d'un instant. L'idée d'avoir perdu mon petit-fils me ronge. Et le fait d'être à Rotune... Rotune, n'arrange rien. Où est-il passé? Il voulait trouver un remède pour sa grand-mère malade. Alors il est parti avec un marchand qu'il a déposé au lac Frissonde, mais je n'ai pas de nouvelles de lui depuis. Et je ne sais pas où il se trouve, ou même s'il est encore en vie. Tout ce qu'il me reste de lui, c'est ce collier qu'il m'a envoyé dans un colis. Tenez, c'est le collier de mon petit-fils. Oh, je brille, ça c'est le nouveau pouvoir, non? Je l'ai reçu un jour par courrier. Décidément, plein de courriers. Il est écrit silencière rad. On comprend pas. Comment? Il y a des petits caractères écrits au dos du collier. Oh, je ne vois rien avec mes vieux yeux. Aventurière, qu'est-ce qui est écrit? Et est-ce que cela dit où est mon petit-fils? Silencière rad, je sais pas. Je vois, évidemment, ça n'indique pas où il se trouve. Peut-être que je suis destinée à pleurer mon petit-fils pour toujours. Oh, mon petit Tonio. Ça me dit rien, hein, Tonio. On n'a pas vu de Tonio, nous. Et je lui ai parlé, qu'est-ce qui... La science ira. Comment connaissez-vous cet endroit? J'y suis déjà allée. Oh, par les dieux. Vous êtes déjà allée à l'endroit mentionné sur le collier. Peut-être que c'est le jardin du destin qui vous a mené à moi. Aventurière, sans vouloir paraître présomptueux, je veux retrouver mon petit-fils, mais je ne peux abandonner mon épouse malade. Pourriez-vous m'aider? Bah oui, j'imagine que c'est la quête, donc oui. Comment oublier ça? Je me souviens très clairement du colis contenant le collier, je veux dire. Le responsable du courrier des quais du lac Frisson, Clément, me l'a remis. Mon petit-fils s'appelle Tonio. Tonio! Tenez-moi au courant si vous avez la moindre nouvelle de lui. Mais s'il y a un tira, c'est pas là où il faisait super froid et tout. Moi, je préfère ici, ma tenue est plus adaptée. Allez au lac Frisson, ils ont dit. On va pas avoir le temps, il est midi. Midi, mesdames et messieurs, il est midi. Ainsi, ça s'achève notre session vidéoludique du matin. Et également, et ben... J'allais dire de la journée, mais non, pas du tout, parce qu'on se retrouve ce soir. Ce soir, on passera nos nerfs sur Hadès. Voilà, trop bien. Passez une bonne après-midi. Mangez bien, prenez soin de vous, et on se retrouve ce soir pour de nouvelles aventures. À ce soir, des bisous.